he may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. So hallo Leute, willkommen bei uns in Châtel Saint-Denis. Wir Hallo. 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 Super. Wir haben la France un incroyable talent für unsere Radio NRW gerade angesehen. Kommt ihr aus Frankreich? Darf ich auch Französisch sprechen? Oui et non. Oui, je viens de France, je suis français. Vous pouvez aussi parler français avec Michaela, mais en fait, la compagnie est constituée avec beaucoup d'Allemands. Je vis aussi en Allemagne avec des collègues. Mais on est bilingue, disons. So, la France a un incroyable talent, wie war's? Was hat euch diesen Sieg im Jahre 2012 gebracht? Erfolg, Geld, nichts? Alles. Alles. Erfolg, es hat uns sehr großen Erfolg gebracht. Wir haben in Frankreich das Supertalent gewonnen. Wir haben 100.000 Euro Prämie bekommen. Und es haben uns sehr, sehr viele Menschen gesehen, die uns danach immer wieder sehen wollten. Viele Agenturen, die gesagt haben, hey, für diesen Event, für diese Abendveranstaltung müsst ihr euch die Mobiles aus Köln buchen, weil die machen was ganz Tolles. Und das war für uns das ganz große Los, ganz, ganz toll. Okay. Vous avez gagné 100 000 euros. Vous avez fait quoi avec ce pactole? Un gigantesque voyage? Un tour du monde? On a fait ce qu'on avait promis à l'occasion donc des super talents. Ils nous demandaient qu'est-ce qu'on ferait avec cet argent. On avait dit si on gagnait, on a dit ben, si on gagne, on va faire un grand spectacle. C'est-à-dire qu'on doit répéter pendant des mois pour pouvoir mettre sur scène un spectacle d'une heure et demie, en fait, que l'on fait maintenant. Et à la fin de Super Talent, Gilbert Rozon nous a proposé de venir à Montréal pour son festival Juste pour rire et jouer donc ce grand spectacle dans un théâtre pour la première fois, et on a fait ça et on a gagné là-bas deux autres prix. Donc c'était et on, donc ça on a participé donc avec cet argent ça a participé pour faire ce spectacle. Dieses Schattenlichtspiel ist total einzigartig für uns. Ich hatte das noch nie gesehen. Wie habt ihr diese Idee von Schattenlichtspiel sozusagen gehabt? Also wir arbeiten mit Mobile, haben wir einerseits diese Theaterausrichtung, dass wir im Theater spielen, und wir produzieren auch für Unternehmen aus der Industrie. Und uns hat einmal ein deutscher Autobauer, BMW, gefragt. Sie wollten ein neues Auto der Presse vorstellen und sie wollten das als Schattentheater haben. Und damals haben wir gesagt, das machen wir, weil wir sind seit fast 40 Jahren als Bewegungsmenschen, als Körper Artisten unterwegs, und dann haben wir damals dieses Schattentheater selber für uns neu ausprobiert und haben da so viel Spaß dran gehabt, und das war, BMW war sehr zufrieden, und dann ging das mit dem Supertalent los und dann mussten wir immer weitermachen, weil es so schön ist. Vous êtes plutôt beaucoup dans votre troupe, mais combien précisément? Ah, précisément, de l'autre côté de l'écran. On est 9 personnes, ou on est 8 personnes que vous voyez constamment, qui constituent l'image, et une 9e personne qui régit l'image. On a besoin comme d'un chef d'orchestre derrière, qui nous permet de nous mettre en contact avec l'image qu'on est en train de faire et que peut-être on ne voit pas. Mais ça, c'est une partie de spectacle, mais mobilée, la troupe mobilée est beaucoup plus importante. Elle a déjà au moins le double ou le triple des effectifs, et parfois on a des spectacles simultanés dans deux villes différentes avec mobilée. Donc c'est déjà notre compagnie. Jeder von euch sollte einen Lohn bekommen. Ist das möglich, wenn man so viel auf der Bühne ist? Auf alle Fälle. Wir spielen im Theater, auch hier, wenn wir hier in Châtel Saint-Denis sind, bezahlt uns die Stadt dafür eine Gage. Und ich gehöre zu der Gruppe Mobile, also ich bin einer der Chefs, und wir kriegen das Geld und wir bezahlen unseren Künstlern für jeden Auftritt, den sie machen, für jede Probe, die sie machen, bezahlen wir Geld. Und für uns ist immer ganz wichtig, dass wir nicht das Big Business machen und ganz reich werden und unsere Künstler für kleines Geld arbeiten lassen. Wir arbeiten miteinander und versuchen wirklich gerecht zu teilen, dass es allen gut geht.
Und das geht mal besser, mal schlechter, aber wir machen das seit über 30 Jahren und wir haben immer den Kopf über Wasser gehalten. Vous faites sûrement beaucoup de tournées, mais est-ce que vous êtes des fois à la maison? Est-ce que vous avez une vie normale comme Shana et moi? Ou bien vous prenez des vacances? Je ne sais pas ce que c'est qu'une vie normale comme Shana ou toi, mais je crois que c'est pour chacun un peu différent. On a l'occasion de pouvoir prendre des vacances si c'est ce qui nous intéresse le plus dans la vie. Il y a des gens qui font beaucoup de vacances, qui peuvent aussi combiner le travail et l'occasion de faire des vacances. Par exemple, on a des collègues qui vont rester ici pour quelques jours de plus parce que la Suisse c'est beau, ils vont aller faire un tour dans la montagne, des choses comme ça. Moi personnellement, je vais rentrer chez moi, je vais m'occuper de d'autres affaires. Je pense qu'on a une vie d'artiste. Une vie normale, c'est pas le cas, mais c'est une vie d'artiste. Donc, mais oui, les artistes font des vacances, oui, les artistes se donnent du mal, travaillent dur, et aussi parfois, on peut profiter de la vie d'une façon un peu plus que les autres, c'est-à-dire qu'on peut des fois se lever le matin quand les autres sont déjà en train de travailler, mais des fois, on est en train de travailler le soir quand les autres sont déjà rentrés, donc... Mais oui, on a des vies de famille aussi, tous. Et je crois qu'on aime bien vivre comme ça, oui. Die Mobiles bewegen Menschen finde ich total interessant. Wer kommt diesen Titel, diesen Satz? Mit unserer Darstellung, die ist sehr emotional. Und es ist so, dass unsere Gäste, wenn sie uns sehen, weil wir jetzt sehr viel über Bilder arbeiten, dass die Gäste einfach berührt sind. Die sind berührt von dem, was wir machen. Wir nutzen sehr viel schöne Musik, sehr emotionale Musik und damit bewegen wir die Menschen. Wir lösen etwas bei ihnen aus, wir wecken Emotionen, deren Fantasie in eine andere Welt. Wie wir das schon gesagt haben, ihr seid ziemlich viel ein Hörtruppe. Wie habt ihr euch getroffen? Wie hat sich euer Mobile gegründet? Seid ihr Freunde? Habt ihr euch in der Schule kennengelernt? Ein Casting? Jemand von euch hat ein Casting gemacht? Ja, das ist ein bisschen anders gelaufen. Wir haben in Köln gibt es eine Universität für Sport. Entschuldigung, eine Universität für Sport und da haben wir, die Gründer von Mobile, studiert. Und wenn du an der Universität für Sport kannst du Fußball und Leichtathletik machen, du kannst dich aber auch in den musischen Bereich, in Tanz, in Pantomimen, in Musik orientieren. Da haben wir uns kennengelernt. Dann gab es eine ganz große Gruppe und die hat sich ein bisschen verändert. Und dann haben wir Tänzer wie den Pascal, das ist ein Profitänzer, dazugenommen. Der Tilly mit den Locken, das ist ein Profiturner, ein Gymnasten. Ganz verschiedene Menschen haben wir dazugenommen, die aber alle aus der Bewegung kommen. Zum Teil von der Universität, zum Teil von der Tanzakademie. Und es gibt manchmal auch Castings, wo wir junge Leute casten und sehen müssen, können die sich bewegen? Sind die gut in der Gruppe? Funktionieren die in der Gruppe? Und so haben wir uns zusammengefunden und ich denke, dass wir alles Freunde sind und sehr gut miteinander arbeitende Kollegen. Jeu d'ombre et de lumière, c'est quoi le but, l'objectif de votre jeu? Quelle émotion voulez-vous transmettre à travers votre spectacle? Ah, c'est déjà une question très, très pointue. On essaie d'abord de transmettre un maximal d'émotions parce que le fait de voir une ombre, ça simplifie beaucoup l'expression et ça donne une place au public de faire son petit scénario, de mettre la couleur dessus. Donc. Et de mettre aussi une mimique sur ces visages qui n'ont pas de dieu, qui n'ont pas de visage, mais qui bougent quand même. Donc on essaie de donner toujours une petite caricature. Donc on en fait un petit peu plus comme ça, du côté du public. Le public met le reste dessus.
Et on essaie toujours d'avoir une histoire. Ça, c'est le travail du groupe Mobilé, ceux qui font l'histoire. Donc, ils créent des histoires, qui mettent en musique, et ils font ça d'une façon très très bien, qui permettent de pouvoir enchaîner des petites scènes et de donner au public toujours l'appétit de comprendre et de découvrir qu'est-ce qui se passe. Oui, je vois, là, il se passe ça, il se passe ça. Donc, on recherche toujours d'être très vivant dans ces mouvements et dans ces histoires. Et aussi d'être, d'un autre côté, très précis quand un client, parce que la compagnie travaille aussi pour des firmes qui demandent un spectacle très précis sur une histoire très précise. Ils veulent qu'on raconte en 10 minutes toute la vie de leur société ou un nouveau produit. Et ça, Mobilé le fait très très bien. Et donc, ils travaillent dessus le sujet et ils cherchent à trouver les moments clés, les images typiques, les mots. On assemble tout ça dedans un spectacle et ça donne des images que vous pouvez voir. Eine Geschichte gibt es immer eine Geschichte, die man folgen kann in euer Spektakel? Ja, das ist genau das, was Pascal eben erklärt hat. Es gibt viele Künstler, die zeigen ihre Kunst, ihre Technik. Und das reicht uns nicht, weil wir eigentlich immer das Gefühl haben, wir möchten unser Publikum berühren und mitnehmen. Wir möchten eine Geschichte erzählen und das Publikum soll mit in diese Geschichte reinkommen. So dass das ist unser Auftrag und dann kriegen wir das Publikum und können die an unsere Performance anbinden. Deswegen ist für eine Geschichte mit Protagonisten, mit einer Idee ist ganz, ganz wichtig für uns. Votre spectacle me semble assez compliqué. C'est facile de créer un spectacle de mobilité, je ne sais pas comment vous dites, et de le jouer. On doit toujours être en forme. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans un spectacle ? Oui, d'un autre côté, on doit toujours être en forme, ça c'est sûr, parce que quand on n'est pas en forme, on ne peut pas le faire, c'est simple. On doit pouvoir toujours reproduire le maximum que notre corps puisse faire, qu'on a fait une image avec. Hein. Et d'un autre côté, j'ai perdu l'histoire là. Qu'est-ce que je voulais dire ? Travailler ensemble. Qu'est-ce qui est le plus compliqué ? Le plus compliqué de travailler ensemble. Il faut pouvoir arriver à être au bon moment, au bon endroit. Et ça va très vite. Et bon, on a des petits trucs entre nous, mais c'est ça surtout le plus compliqué. C'est de pouvoir ne pas rater l'image, donc d'être assez précis. C'était compliqué au début, ça devient de plus en plus facile, parce que ça fait longtemps qu'on fait ça, et maintenant on a appris à travailler ensemble. Au début, ça faisait mal. Ça faisait mal parce qu'on se tortillait dans tous les sens pour essayer d'arriver à faire la chose qu'on ne se rappelait plus, et le stress qui montait dans le corps, et ça nous faisait du mal partout. Et on a appris à travailler ensemble, à travailler cette nouvelle façon de faire des spectacles. Maintenant, on sait faire. On n'y pense plus beaucoup. C'est comme quand on apprend à faire du vélo. La première fois, on tombe, ça fait mal. Après, bon, on ne tombe plus, on sait faire. Quoi. Ben là, c'est un peu la même chose. Mais il faut quand même faire ce qu'il faut faire. Il faut être au bon moment, au bon endroit. Et il vous a fallu combien de temps pour réussir à faire un spectacle, justement ? Et il nous a fallu plusieurs mois, de toute façon, déjà, pour pouvoir constituer l'histoire. Maintenant, ça fait déjà... C'est comme le peintre qui faisait un point sur sa toile, Miro, il disait que ça fait combien de temps que vous avez fait pour faire un point ? Il dit, mais j'ai mis toute ma vie pour faire ça. Et nous, d'un autre côté, on a une carrière derrière nous. J'ai travaillé, ça fait 40 ans que je danse. Donc, si je fais un mouvement sur scène qui vient de cette expérience-là, ça fait 40 ans que j'ai mis pour le faire. Mais d'un autre côté, bon, pour être comme on est, une simple ombre, bon, ben, on est nous, quoi. Mais chacun a du travail derrière. J'ai des collègues qui font des choses que je ne peux pas faire, qui sont des acrobates. Quand on leur demande d'utiliser leur technique derrière, bon, ben, moi, je ne peux pas faire. Donc, il faut... Chacun apporte sa spécialité dedans. Et cette spécialité, on l'a obtenue dans notre carrière auparavant. Könnte man behaupten, dass ihr ein bisschen wie die schweizerische Truppe Mummenschanz spielt, aber mit Schatten und Licht? Also Mummenschanz gibt es schon ähnlich lange wie die Mobiles. Und Mummenschanz arbeiten auch mit ihrem Körper.
die arbeiten sehr körperbetont und ein bisschen pantomimisch, zum Teil sehr lustig auch. Und ich glaube, da sind wir ähnlich, dass wir mit unserem Körper arbeiten. Ich weiß jetzt aber im Moment nicht, ob Mummenschanz auch irgendwas mit Schatten macht. Ich glaube nicht. Da sind wir sicherlich, haben wir etwas anderes gefunden für uns. Dans le temps passe, vous jouez votre spectacle, vous vous lassez sûrement à l'avenir ou dans le futur. Vous allez toujours et pour toujours jouer avec cette même troupe et cette technique d'ombre et de lumière. Ou est-ce que vous allez jouer une fois avec une autre troupe ou essayer de chercher quelque chose de nouveau? On fait toujours non, du nouveau. C'est ça. De toute façon, on est toujours en train de trouver de nouvelles images, de nouvelles histoires. On est toujours en train de créer, en dehors de ce spectacle que nous faisons maintenant, chaque mois, il y a de nouvelles créations qui sont faites pour des sociétés privées qui nous engagent. Donc, on est toujours en train de créer. Et ce qui est incroyable, c'est que ce spectacle que nous avons créé il y a déjà maintenant 5 ans, on ne se lasse pas de le faire. Parce qu'à chaque fois, c'est nouveau. À chaque fois, on a un public de l'autre côté de l'écran qui participe au spectacle, qui répond. On sent le public de l'autre côté. C'est incroyable. C'est une expérience très, très spéciale de savoir est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il est avec nous là en ce moment dans l'image, est-ce qu'il nous suit. Et ça, c'est super. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, à chaque fois, on a envie d'en refaire encore un. Hein, c'est pas de problème. Mais vous avez toujours été le même groupe, les mêmes membres? Non, pas vraiment. Il y a eu des gens qui étaient là il y a 5 ans, qui entre-temps se sont mariés, ont eu des enfants et ont quitté le groupe, ou un peu dans ce genre-là. Mais en principe, on est plus ou moins les mêmes qui sont... Oui, on est plus ou moins les mêmes, toujours. Mais quand il y a quelqu'un qui part, est-ce qu'il y a directement d'autres personnes qui veulent venir dans votre troupe ou vous êtes obligé de bien chercher? Oui. De toute façon, Mobilet a plus que les 8 personnes que vous voyez derrière l'écran. Il y a déjà il y a au moins 3 fois plus de personnes qui travaillent dans l'organisation de Mobilet et qui sont préparées et qui font au début des petits spectacles de 3 minutes et puis qui rentrent dans un spectacle plus important et puis qui vont un jour peut-être avoir l'occasion de rentrer dans ce spectacle-là, dans le grand show. C'est très difficile pour les gens qui doivent rentrer dans ce spectacle-là parce que pour pouvoir apprendre 1h30 de spectacle d'ombre, ça dure long. C'est vraiment un travail très important pour la personne qui doit le faire. On n'a pas de repères. On doit pouvoir être au bon moment, au bon endroit, dans des positions que l'on ne peut pas... quand on se met comme ça, ça c'est pas juste, ça c'est juste. Il faut s'en rappeler de tout ça pendant 1h30. Donc c'est un travail très important au début. Donc c'est pas tout le monde qui peut arriver à faire ça. Et donc c'est un travail progressif. Mais bon, il y a des gens qui le font, qui sont dans la compagnie maintenant, qui peuvent remplacer. Ouais, parfois, il y a quelqu'un qui est malade. Il faut téléphoner et dire alors, Kim, est-ce que tu peux venir parce que Lotta, elle est malade. Voilà, c'est ce qui s'est passé là. Zwei, wie lange ist die Gruppe zusammen? Also, Mobile hat sich, jetzt haltet euch fest, 1979 gegründet. Das ist sehr lange her. Ich bin seit 1983 dabei und die Formation, die wir jetzt haben mit dem Moving Shadows, die ist seit 2011 zusammen in der Form. Und dann gibt es, wie gesagt, immer ein paar kleine Wechsel, weil vielleicht ein junger Darsteller zum Studium nach Zürich geht oder nach Berlin geht. Aber seit 2011 sind wir ganz gut in der Formation zusammen. Chez les spectateurs qui nous regardent, il y a sûrement des gens, des jeunes, des adultes qui vont beaucoup rêver par rapport à votre spectacle, à vivre votre aventure. Quel conseil donnerez-vous à ces gens qui puissent réaliser un peu leur rêve, mais en même temps votre rêve? Travailler dur. Oui, déjà, il faut avoir un rêve. Hein, ouais. Et puis, il faut tout faire pour y accéder, que ce soit de faire des spectacles, que ce soit... Je ne pense pas qu'on rêve tout systématiquement de faire des spectacles d'ombre.
mais qu'on rêve d'être un artiste, ça c'est une chose, qu'on rêve de faire de la scène, qu'on rêve d'aller en scène, de faire des spectacles sur scène. Et je dirais à ces gens-là qui veulent être des artistes, soyez-vous, soyez votre propre personne, parce que chaque artiste est différent. Et la meilleure façon de devenir un artiste, c'est de faire tout ce que l'on aime bien faire, le mieux qu'on peut. C'est d'être le meilleur pour soi-même. Et là, vous avez peut-être une chance de devenir un bon artiste. Vous aurez quelque chose à donner, parce qu'un artiste, il doit donner. S'il n'a rien à donner, s'il n'a pas quelque chose de plus, alors il ne pourra pas être un artiste. Die Tournee geht sicher weiter. Welchen Europaweg werdet ihr bis Ende 2018 folgen? Also wir haben für 2018 sehr viele Engagements mit Moving Shadows, mit dem Programm, was wir heute hier auch in Châtel-Saint-Denis gespielt haben. Und da sind wir aber weitestgehend in Deutschland unterwegs. Es gibt ab und zu mal, dass wir mal in der Schweiz sind oder auch mal in Belgien. Aber mit dem Moving Shadows sind wir mehr in Deutschland unterwegs. Wie findet ihr Châtel-Saint-Denis? Sehr schön. Ein sehr schönes kleines Städtchen. Ja. Super, wir haben schönes Wetter und wir wohnen in Vevey mit Blick auf den See. Aber Châtel ist sehr, sehr gemütlich und sehr fein für uns. Sehr schön. Et vous avez déjà mangé de la fondue? Oui. Mais bien sûr. C'est un régal. Leute von den Mobiles, danke für diese Interview. Das war toll. Alles gut für eure Tournee. Vielen Merci. Dank. Vielen Dank an euch. Vielen Dank. Je trouve ça vraiment incroyable tout ce que vous faites avec ces parties de petits et maintenant c'est énorme. Ben oui. Et puis ça va continuer. Madame Genoux, quel est le prochain spectacle? Alors le prochain spectacle qu'on accueille, c'est une pièce de Marivaux, Les acteurs de bonne foi. Et ça sera le dimanche, mais j'ai un petit doute sur la date, 23, je crois que c'est avril. Un dimanche à 5h. Et vous aurez un petit scoop pour l'année prochaine, un tout petit? Non, désolée, je ne veux pas vous donner un petit scoop. La saison sera tout aussi variée, tout aussi intéressante, mais là, pour l'instant, je garde. Elle n'est pas tout à fait bouclée. Et puis, je garde le suspense pour le mois de juin. Parce qu'il me semble que la saison 2017-2018 touche à sa fin, non? Oui, on a encore deux spectacles, donc le Marivaux au mois d'avril. Et puis notre dernier, c'est Olivier de Benoît, au mois de mai, le 6 mai. Et vous êtes contente de cette saison? Oui, on est contente de cette saison, ça s'est bien passé. On a déjà, en tout cas, deux ou trois spectacles qui ont fait complet. On va faire complet avec d'Immobilier, je pense, complet avec de Benoît. Donc c'est une belle saison, oui. Et je crois que vous faites vous-même du théâtre avec les pervers, si je ne me trompe pas. Il me semble que vous jouez dans un spectacle en ce moment. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, je joue dans un spectacle Coiffure pour dames. On va jouer ce week-end d'ailleurs, c'est pour ça que je ne serai pas à côté de Mobilet. À Puy. Voilà, un spectacle où on retrouve des personnages dans un salon de coiffure. Et puis c'est tous les ragots, c'est toutes les histoires. C'est du rire mais beaucoup d'émotions. Et bien en tout cas, Madame Genoux et d'Immobilis, vielen Dank für alles. Merci à vous. Es lebt die Kultur!